Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue sur votre chaîne préférée. Ce soir on retrouve nos amis de l'ODS Sim Racing, les All Driver Spirit. On retrouve notre quatrième manche de la Challenge Cup Mercedes 190 Evo 2. Et on n'est pas comme il était prévu d'origine, comme vous voyez sur l'affiche. On n'est pas sur Avus, mais sur le Nürburgring, le circuit posant des problèmes apparemment sur RF2. Voilà, ce qui fait que les ODS ont décidé de remplacer Avus par le Nürburgring, qui est un circuit à peu près équivalent, qui en tout cas à peu près les mêmes caractéristiques. Donc voilà, avant d'aller en piste, puisque les qualifications viennent de commencer, on va refaire un petit tour par, si je le retrouve, le classement général à l'issue de la dernière manche, que je vous laisse découvrir. Michael Sacco, Timon Souvik, Alex, Serious Mick et Mano Gremlini, voilà pour le top 5 de ce classement, sur lequel on peut constater qu'on a Timon Souvik et Alex qui sont à égalité parfaite de points, 200 points. Donc, je sais qu'Alex est là ce soir. Est-ce que Timon Souvik est présent? Ah, alors on n'a pas Timon Souvik, malheureusement. Donc, dommage. Dommage pour les points. Allez, on va aller en piste. Partir à la découverte du Nürburgring et de nos Mercedes 190. Que voilà, c'est un circuit qui est vite appris, puisqu'on a cette épingle ici, très serrée, une longue ligne droite. Donc, séance de qualification, on aura deux courses ce soir, deux courses de 25 minutes, mais avec une seule séance de qualification. Et puis on aura un petit warm-up entre les deux. Voilà, la deuxième épingle. Et ici, cette chicane, droite-gauche, qui est assez délicate. Voilà, donc un circuit très court, il fait un petit peu plus de 2,3 km, je crois. Donc là, on est avec Rino. Le meilleur temps, pour l'instant, c'est Serious Mick en 54,443. Découvrir le circuit de façon un petit peu différente ici. Michael Sacco, 53,454, 53,510 ensuite pour Monloup, 53,661 pour Rino, avec qui on était il y a un instant, et à la P5 on a Alex avec 53,757. Tout le monde tourne à peu près dans la même seconde. Salut Graham Chris, comment vas-tu? Alors on va plutôt vous montrer Michael Sacco, 52,873. Et ben ça va. Impeccable. Content de retrouver nos petites DTM. Ça va être très fun sur le Nürburgring avec ses voitures. Ils sont 16. Ah, on avait 14 pilotes tout à l'heure, ils sont 16 maintenant. Je ne vois pas Timon. Oh, je ne vois pas Timon Souvik. C'est dommage. Ça fait que du coup... Donc Michael Sacco, Timon Souvik, Alex... Ah, il y a Serious Mick qui a la P4 à 180 points. Donc on peut avoir quand même encore de la bagarre à ce niveau. Il
Alors, est-ce que ça bouge un peu ? Emmerich, 52-857, Emmerich. Salut Titom. Alors oui, DTM aussi de votre côté, je sais. Coïncidence de date. C'est sympa de passer en tout cas. DTM 92 pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va faire le tour un peu, voir qui est présent. On a donc Steph, pilote ODS, et Nofra, autre pilote ODS, Cédric H, Marco 63, Manu Grimini, qui est donc quatrième au classement général, Indigo 41, qui est à son pit, ainsi que Louis Givard, Arnaud Plume. On a Gérard Rion, Franck Verplanken, pardon, qui était absent, il me semble, la manche précédente. Rino, à son pit, Monlou, Sirius Mick, donc, Alex, Viliziane, Michael Sacco et Emmerich. Tout le monde est plus ou moins rentré. On a encore Arnaud qui est en piste. Ah, non, il s'arrête. Alors, on va aller voir Franck. ...52-785, ce sera le meilleur temps, je pense, encore qu'il reste 4 minutes, hein, de qualification. Pour l'instant, Emmerich, 52-785, Mikel Sacco, 52-860, et Alex, qui est venu se glisser à la P3 avec un 52-942, juste devant Sirius Mick, 52-848. Autant dire, rien, encore une fois, hein, entre la P1 et la P4... On a un dixième, donc c'est vraiment rien. Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous. Deux courses de 25 minutes. Deux runs, hein, on peut appeler ça comme ça, je crois. Surtout sur ce circuit très court, 2,3 km. Donc vous voyez le tour, hein, le tour en moins d'une minute. Alors ensuite, on a un gros paquet de pilotes qui sont dans la même seconde, dans les 53, et on a deux pilotes en 54, et Steph qui est un petit peu à la ramasse avec un 56-630. Alors, tout le monde est rentré. Non, on a Emmerich qui est toujours en piste. Emmerich qui va chercher à encore améliorer, alors qu'il a le meilleur temps. 52-785. Qu'on a ponctuellement perdu. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Et qui retourne à son stand. Ah oui, avec une DQ. Bon, c'est pas grave, on va le retrouver en piste. Tous les pilotes sont au pit. J'espère qu'il n'y a pas de souci avec le serveur. ...52-860, Mikel Sacco. Alors le meilleur temps est toujours à 52-750 pour Emmerich, mais il est marqué en disqualification. Très belle Mercedes, ça devrait plaire à Titom. Je sais pas si Titom est toujours dans le coin. Mikel Sacco, Alex, Sirius, Mick, Franck Verplanken, Monlou,
bah, visualiser un petit peu les livrées, les skins de toutes ces Mercedes, Rhino, Gérard Rion, Louis Givard, Indigo et Nofra, tout ça sont des livrées d'origine, hein, il me semble. Cédric, Marco, Steph et donc Emeric. Alors je suis un peu étonné de voir qu'il n'y a plus personne en piste, c'est un peu bizarre. J'espère que tout va bien. Les qualifs se terminent, 4 secondes. Et on va passer au warm-up. Et donc ce sera deux courses encore une fois, hein, de 25 minutes, départ arrêté. On va vous remettre la petite affiche en attendant. On nous restera deux manches, hein, sur cette Challenge Cup à la fin du mois, le 28 novembre, la Nordschleife. Et puis au mois de décembre, Sachsenring. Voilà, le serveur est passé en qualif. On va changer la driver box. Bon, nos pilotes n'ont pas l'air de se décider à prendre la piste. J'entends un moteur. Voilà, quelques voitures sortent pour ce petit warm-up. On arrive pratiquement à 200, hein, au bout de cette ligne droite. Là, 230 ici. Avant cette épingle extrêmement serrée. Il va falloir être très prudent. On a 16 voitures. Ça nous promet une course pleine de rebondissements. Deux courses. J'aime beaucoup ce format, hein. 2x25. En attendant, pendant ce warm-up, on va vous réafficher le résultat de la séance de qualification sur laquelle vous pouvez voir notamment non seulement les temps, mais les écarts, vous voyez, qui sont très faibles. C'est Alex qui partira à la P2, donc ça veut dire que notre ami Emeric, il a bien été déçu. Alors on va voir ce que ça donne quand même. Et oui, il partira en queue de peloton, Emeric, alors qu'il avait fait le meilleur temps, 52 750, donc sans doute une pénalité, une faute en fin de séance de qualif.
Allez, on va réafficher nos données habituelles. On est avec Indigo. Ah voilà, voilà ce qui va arriver, je pense, assez souvent. Il reste moins d'une minute pour ce petit warm-up, mise en condition pour nos pilotes et les voitures pour se lancer dans ces deux runs de 25 minutes. Ça se termine. Voilà, ça y est. On va passer. On va passer directement en course dans un instant, le temps que la grille se forme. Ah, c'est bien Imric qui a récupéré la pole. Hein. C'est bien lui qui part en pole. Très bien. Alors, on va se mettre sur notre vue habituelle. De toute façon, on va voir l'ensemble de la grille. Et on va faire le premier tour, je pense. Au moins le premier tour comme ça, puisque le circuit est très court. En moins d'une minute. Et on va partir pour la première course. On a nos 16 voitures. Allez, go, c'est parti. Ah, c'est Mikael Sacco qui a l'air de prendre un meilleur départ qu'Emeric. Emeric qui se refait. Et non, Emeric qui sort beaucoup trop large. Il est... Oh là là, alors que derrière, on a des voitures en vrac. Marco et Nofra et Sirius Mick qui est en travers. Sirius Mick qui est en difficulté. Ah, il n'arrive pas à repartir Sirius Mick. Attention, Mikael Sacco va arriver très vite maintenant derrière. Voilà, c'est reparti. Allez, c'est Mikael Sacco qui est en tête, qui a pris la pole, suivi donc de Alex Vilizian, et c'est Emeric à la P3. Et derrière, on voit un petit groupe composé de Monlou, Rino, Mano Grémini, Gérard Rion va aller se mettre à bord de la Mercedes de Gérard Rion, qui pointe à la 7ème place. Ouais, c'est un peu le périph, ouais. Alors ça, c'était un peu à prévoir, hein, ce qui s'est passé au premier virage. C'est un peu étonnant que ce soit Sirius Mick, par contre, qui se soit mis dans cette posture difficile. Sirius Mick qu'on a l'habitude de voir plutôt dans les hauts du classement. Il est donc 16ème. Et oui,
Et derrière, on a un groupe, on a quatre voitures, très proches, Arnaud Plume, Luigi Var, Gérard Rion, Indigo, 41. Alors, un autre phénomène, hein, ce qui va se passer aussi, c'est que très vite, les voitures de tête vont se retrouver à rattraper les plus lents. On voit ça glisse hein, pour Arnaud, là. Emeric, qui avait fait le meilleur temps des qualifs, il est troisième, juste derrière Alex. Et devant, on a Mikael Sacco à 1 seconde 4. Alors Sirius Mick qui est toujours à la queue, hein, il a quand même fait son dernier tour en 53-518. Ça veut dire qu'il tourne plus vite qu'Alex qui est à la P2. Donc je pense que Sirius Mick il va chercher à remonter. On va aller le voir Sirius Mick. Ah, pour l'instant il est à 7 secondes de Franck Verplanken. Donc on va attendre un petit peu. Devant je vois Arnaud là qui est vraiment dans le pare-choc de Luigi Var. On va essayer de les croiser là. Non. Arnaud, il est passé. Il vient de prendre la P9. Derrière, on a la même chose, on a N9 RA sur Franck Verplanken. Ouh, ça a tapé pour N9 RA. Ah, on a un pare-choc qui est resté sur la piste. N9 RA, abandon d'N9 RA, il est rentré à son pit. N9 RA qui abandonne. Abandon également du pilote ODS Steph. Donc c'était le contact hein, entre les deux voitures. C'est lui qui avait perdu son. Qui avait perdu son pare-choc. Et là on est avec Arnaud toujours. Peut-être 80, ouais. Gérard Rion, Luigi Var juste derrière, là, c'est toujours ce même groupe. Hein. Trois abandons, on a Rino qui a abandonné également. Alors qu'on est dans les. Même pas dans les. On a passé les 5 premières minutes, là, on est dans les 6 premières minutes de course. Et on a déjà 3 abandons. Alors je sais pas ce qui s'est passé pour Rino. Ça glisse toujours. Franck sur Marco 63. On va voir s'il peut se passer des choses par ici. Les dépassements sont pas faciles. Hein. C'est pas passé pour Franck.
Et ça tape Franck et Marco. Marco qui, pour le coup, perd deux places. Il descend à la P12. Allez, devant Louis Givard, Gérard Rayon, Arnaud Plume, Digo, toujours ce même groupe de 4. Toujours très serré là les 4. Oh, devant, on va aller vite fait voir Emeric. Emeric qui est à la P2. À l'attaque d'un Mikael Sacco. Attention, pas attaquer trop fort. Alors que Indigo 41 vient de passer Arnaud Plume et prendre. Ah, ça se bagarre aussi là. Entre Arnaud et Indigo. Alors, on va rester quand même sur la pôle. Pour Emeric qui vient de faire son meilleur tour et qui là dans la ligne droite passe Mikael Sacco à l'intérieur. Emeric prend la pole. Emeric vient de prendre la pole. Attention, Mikael Sacco est toujours à 4 dixièmes derrière. Ça attaque fort. Emeric qui cherche à s'échapper. Hein. Voilà, 7 dixièmes maintenant, il est parti. C'est un petit peu envolé. Attention, derrière on a Alex hein, qui est à moins de 2 secondes des deux hommes. Derrière on a toujours Gérard Rion, Louis Givard. Et on a une bagarre aussi entre Franck Verplanken et Sirius Mick. Sirius Smith qui est bien remonté. Là on est avec Franck. Alors on va faire le tour un peu de tout ça. Donc Emeric en pôle, Mikael Sacco juste dans ses roues à moins d'une seconde à la P2. Alex est maintenant 3ème. On a Monlou hein, à la P4. À 6 secondes 4. Mano Grimnini derrière à 3 secondes 4. À la P5. Arnaud Plume. Indigo 41. P7. Louis Givard juste dans son pare-choc à la P8. À 3 dixièmes. Ce petit groupe là qui ne se quitte pas depuis le début. On voit aussi à la P9 derrière Gérard Rion. Alors on va rester un petit peu là sur ce groupe. Derrière à 9 secondes, presque 10 secondes, on a Cédric H, pilote EDS. Et puis toujours derrière P11, P12, Franck et Sirius Mick qui restent très proches. Hein. Collés l'un à l'autre, alors ils ont la même livrée. Et on a un quatrième abandon, celui de Marco 63. On a plus que 12, on a plus que 12 voitures en piste. On va rester avec Gérard Rion. Il reste 13 minutes. On est à mi-course pratiquement.
Frank Verplanken sur Sirius Mic. Il retente l'intérieur. Ça passe ou ça passe pas. Son coup de côte. Non. Sirius Mic. P11. Assez chaud là entre les deux. Oh, Frank Verplanken qui vient de shooter Sirius Mic. Sirius Mic, mauvaise course hein, pour lui. Allez, devant Gérard Rion, pardon, sur Luigi Vallard. Ah, Franck qui est revenu sur Sirius Mic. Ils ont dû s'attendre, je pense. Ah, il glisse beaucoup Sirius Mic, hein. Alors, au même endroit, attention. On savait hein, que ce serait très cassant, on a 4 abandons. Allez, sur l'aileron de Sirius Mic. Et ça tape à nouveau entre les deux Mercedes. Petit coup de portière là entre Sirius Mic et Franck. Ah là, Franck, il a emmené Sirius Mic dans le mur. Il l'a accompagné un petit peu. On se bat là pour la P12, P11, P12. Allez, devant, je vois Arnaud Plume qui remonte à 4 dixièmes de Manu Grimnini. Et là, on se bat pour la P5. Alors que Alex est revenu à la P3, il est revenu à 1 seconde 5 de Mikel Sacco. Il a fait un très bon dernier tour, Alex. Arnaud. Arnaud Plume qui a pris l'avantage sur Manu Grimnini à la P5. Et là, c'est Luigi Vallard qui vient de prendre la P8 qui était occupée par Gérard Rion.
Bon, ça s'est creusé en tête, hein, entre 2 secondes 7 maintenant entre Emeric et Mikel Sacco à la P2, et 2 secondes 3 derrière pour Alex. Mon loup à la P4 est à plus de 10 secondes. Donc là, on est sur les deux voitures les plus proches. Encore que... Oui, c'est les deux voitures les plus proches pour l'instant. Et on va bientôt arriver. Il reste 6 minutes 30. Dans le dernier quart de cette course, alors que Gérard Rion passe à l'instant dans ce virage. Ah, il a passé Luigi Var, mais les deux voitures se sont mis en travers, celle de Gérard en tout cas. Allez, c'est reparti. Et bon, on va rester avec eux, hein, parce que pour le reste, il se passe pas grand-chose. Par ailleurs, sur leur meilleur temps, hein, 53-802 pour Luigi Var et 53-387 pour Gérard Rion. Et malgré tout, Gérard est bloqué derrière. On arrive quand même à avoir des écarts assez importants finalement, hein, malgré tout, sur ce tracé. C'est un peu étonnant, on a 3 secondes maintenant entre Emeric et Mikel Sacco. Allez, Gérard Rion à l'attaque. Luigi Var qui reste devant pour l'instant. S'accroche à cette P8. On va arriver dans les 3 dernières minutes. On remonte donc le classement. Sirius Mick qui est donc 12e. Franck Verplanken à la P11. Cédric H 10e. Devant P9, P8, on a toujours nos deux compères Gérard et Luigi Var en bagarre. Pour la P8, à la P7 devant à 10 secondes, pratiquement c'est Indigo 41. Mano Grimnini, 6e. Arnaud Plume qui vient de faire son meilleur tour, 53-395 à la P5. Il est à 2 secondes 8 de Monloup. Monloup, 4e, pilote FCR. Et donc, Alex Vilizian, 3e.
Mikael Sacco qui est le leader du championnat. Il est à la P2 et à 2 secondes devant, c'est Emmerich qui mène cette course. Emmerich qui avait fait le meilleur temps aux qualifications. Toujours nos deux amis Luigi Var, Gérard Rion qui sont encore en vrac. On va rester un petit peu avec Emmerich. Puisqu'on arrive dans les derniers tours. Il reste 1 minute 30 à peine. Et on va arriver à la fin de cette première course. On en a une deuxième, restez avec nous. Deuxième course de 25 minutes. Et on va voir si on arrive à des classements à peu près similaires. Et si on a toujours cette bagarre là entre Gérard Rion et Luigi Var. Est-ce que ça va se réitérer sur la deuxième course? On va surveiller également Sirius Mick, hein, en espérant qu'il ait plus de chance que sur cette course. Puisque Sirius Mick, on est habitué encore une fois à le voir bien plus haut dans le classement. Je vois Luigi Var et Gérard Rion toujours. Qui se sont à nouveau rapprochés l'un de l'autre. Bon, non, il y a quand même une seconde. Allez, il reste 30 secondes. Ça rase les murs. Allez, ça va être normalement le dernier tour pour Emmerich. Alors que devant on voit une voiture en flamme. Ah, alors je ne sais pas qui c'est. Ouh, Mikael Sacco qui. Ok, non, c'était ponctuel. C'est terminé. Emmerich qui remporte cette première course. Bravo. Mikael Sacco à la P2, Alex 3ème. Gérard Rion, abandon de Gérard Rion tout à fait dans le dernier tour. Ça c'est très vexant, donc c'est lui qu'on a vu en flamme. Alors c'est absolument pas ça que je voulais vous afficher. Première course, voilà, c'est plutôt ça. Voilà, Emmerich. Mikael Sacco, Alex Villizian, Monlou, Arnaud Plume, Manu Grignini, Indigo, Luigi Var, Gérard Rion, abandon de Gérard, hein, Cédric H. Et puis enfin, 4 autres abandons. Donc on a 5 abandons hein, sur les 16 voitures finalement. C'est Franck Verplanken et Sirius Mick qui ferment le classement. Allez, je pense qu'on va repartir direct sur la deuxième course dans un instant. Le temps que tout le monde rentre à son pit, que la grille se reforme. Je vous le rappelle, on retrouvera nos DTM à la fin du mois, le 28 novembre, sur la Nordschleife cette fois. Donc là, pas du tout un circuit diamétralement opposé à celui de ce soir. Et on terminera sur Session Ring le 19, juste avant Noël, avec ces DTM. On terminera cette Challenge Cup. On a d'autres événements hein, avec les ODS. Alternativement, le lundi soir, on a de la NASCAR Xfinity. Et puis on a le GTPC. Ce sera du GTPC la prochaine fois. Lundi prochain. Multiclass. On retrouvera nos ODS. N'oubliez pas de mettre un petit follow à la chaîne pour suivre, être notifié de toutes ces courses. Que vous pouvez également retrouver hein, le réupload de ces courses sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien qui défile dans le chat régulièrement.
ainsi que ceux de la boutique sur lequel on peut acquérir notamment les suites ASTV, si ça vous fait plaisir, sachant que sur Redbubble on a pendant 5 jours là une grosse promo, donc c'est le moment d'aller faire vos courses. Voilà, allez, on recharge le circuit, 2 300 km, ouais, c'est bien ça, et on va retourner en piste. Deuxième course. Alors, en attendant, en espérant que ça se charge correctement, c'est toujours un moment un petit peu délicat sur RF2. Je ne vois que 13 pilotes pour l'instant. Ah, ça recharge à nouveau. Espérons que cette fois sera la bonne. Voilà, ça semble être pas trop mal parti. On va se remettre sur Emmerich. On va attendre la mise en place de cette grille. Ah, on a perdu Emmerich. Du moins, on n'a pas perdu Emmerich, mais on a perdu sa voiture. Est dans son box. Ah, on repart pas en warm-up. Ok, warm-up de 5 minutes. Je vous remets ponctuellement le classement général à l'issue de la troisième manche. Mickaël Sacco, Timon Souvik qui malheureusement n'est pas présent ce soir, c'est bien dommage, hein, qui est à la deuxième place, hein, de ce classement général, juste devant Alex à égalité de points. Donc là, je pense que là, ce soir, normalement, Alex s'il confirme cette troisième place qu'il a fait à la première course, va évidemment passer devant. Et puis on a Sirius Mick qui, lui, à l'inverse, avec 180 points, ce soir, là, fait pas une très belle opération. Espérons qu'il va pouvoir se rattraper un petit peu sur cette deuxième course. Alors, est-ce que... On est toujours en warm-up. Alors par contre, on a plus que 13 pilotes. On n'a plus que 13 pilotes. Ça, c'est dommage, on en a perdu. On en a perdu 3. Et je ne vois... Alors, je vois pas de voiture sortir des pits. Si, on a Cédric. Cédric qui a pris la piste. J'ai l'impression qu'on a perdu Gérard Rion.
Ouais. Entre autres. Cédric est rentré. Ah, on a Sirius Mick en piste encore. Il va rester une petite minute, petite minute de warm-up avant de reprendre la piste pour une deuxième course de 25 minutes. Dans cette quatrième manche de notre Challenge Cup Mercedes Vélo 190 Evo 2. Donc on sera à Mont-Tremblant hein, sur lundi prochain, championnat GTPC, on sera au Canada. 300 km avec nos groupes C et nos groupes B lundi prochain. Donc ne loupez pas ça, toujours avec l'EDS Sim Racing. Allez, la séance de warm-up est terminée. On va pouvoir se lancer dans cette deuxième course. Voilà, allez. On va se remettre avec Emeric qui va partir en pôle. On va attendre. Voilà. Emeric. Le leader. Le poleman en tout cas. Avec toujours AP2 Mickaël Sacco et Alex Vilsiane 3e. Sirius Mick partira 4e. Puisqu'on a gardé les résultats des qualifs de la course 1. On n'avait qu'une séance pour les deux. Alors on a des difficultés, j'ai l'impression, à former la grille. Voilà. Voilà qui est fait. On va attendre que tout le monde se mette en place. Est-ce qu'on a récupéré... Ah, on a récupéré un pilote. Ils sont 14 déjà, mais on a récupéré Gérard Rion. Ça c'est très bien. Excellente nouvelle. Il nous manque donc toujours deux pilotes. Par contre, je vois pas qui. C'est parti. Allez, Emeric, Mickaël Sacco, Alex. Troisième, Franck Verplanken, c'est plus tranquille hein, le départ de cette deuxième course. Attention au premier virage. Ça touchette, petite touchette derrière, sans aucune gravité. Emeric du coup part déjà un petit peu devant. Non, il est remonté par Mickaël Sacco. Alex et Sirius Mick hein, qui cette fois n'a pas loupé son départ, en tout cas il s'est pas fait bousculer comme à la première course. Et
par Arnaud Plume qui est cinquième, qui est juste derrière hier, il me semble, hein, que c'était avec lui. Eh ben on va se mettre avec Sirius Mick, tiens. Allez, on va se mettre à bord de la Mercedes, le Sirius Mick. On est à la P4. Et on est parti pour 25 minutes. Vu Alex partir un peu de travers. Hop là, attention. Ah, on a déjà un abandon, on a l'abandon des 9 rats. Et 9 rats, on n'a pas vu ce qui s'était passé. 9 rats, abandon. Alors, Emeric, derrière, à 5 dixièmes. Mikael Sacco, Alex et Sirius Mick en bagarre juste derrière. Que l'on voit ici. Oh, c'est chaud là, Alex et Sirius. Sirius Mick qui touche un petit peu le rail. Derrière, on a une seconde, un peu plus d'une seconde, Arnaud Plume à la P5. Et derrière, on a en bagarre Monloup, Franck Verplanken, P6, P7. Là, au freinage, Monloup qui prend l'avantage et qui s'empare de la P6. Petit coup de pare-choc de la part de Franck. Sans aucune gravité, évidemment. Mano Grimnini, juste derrière, à la P8, suivi de Gérard Rion. On a un gros paquet, là. Là, on est sur la P9. Et derrière, dixième, Rino et Cédric. Cédric H. et Rino en bagarre également. Cédric qui prend la P10. Non, c'est pas tout à fait terminé. Rino est mieux ressorti. Ah, Cédric a plus de vitesse de pointe, il semble. Mais au freinage, Rino remonte. Oh, à l'intérieur, là. Attention à Gérard Rion, là, qui s'est loupé. Cédric hein, est passé P9. Rino a mieux appréhendé cette chicane là. Du coup Gérard, attention, il est juste derrière. Hop là, un petit coup de portière. Du coup, Gérard Rion, il s'est glissé à la P10, hein, il s'est glissé entre Cédric et Rino. Hop là, Gérard, attention. Ah non, Cédric, pardon. Cédric qui est allé taper lui aussi le mur. On va se remettre avec cette vue. Ce circuit, elle est pas mal. La vue drone, on va l'appeler. Et pour terminer notre petit tour, on a Indigo qui est 12e. Hein. Il est juste derrière, hein. Il est pas loin. Hein. Une seconde 8. Et on a un deuxième abandon, celui de Luigi Var. Malheureusement, déjà deux abandons. Je vois que devant, Arnaud est en train de remonter
très fort sur, sur Alex. Et toujours un groupe, hein, groupe de 4 voitures. Cédric H et Indigo. Ah, c'est Cédric qui est parti taper le rail. Il a perdu, perdu le pare-choc, Cédric. Donc là, attention, c'est que ça va être un retour au pit. Arnaud et Alex Villisiane. Alors toujours devant Emeric, Emeric qui est maintenant à 2 secondes 2 de Michael Sacco. Sayus Mick derrière à 3 secondes 9. Et alors attention Arnaud, lui, Arnaud Plume, il est qu'à 1 seconde 3 hein, de, la, du, de la P3 de Sayus Mick, avec toujours Alex Villisiane dans ses roues. Et derrière, on a deux autres voitures proches. C'est Renault et Gérard Rion. On est avec Renault. Renault qui prend l'avantage sur Gérard, je crois. Oui, voilà, c'est passé pour Renault. C'est passé. Allez, Alex, on retourne voir Alex. Qui est maintenant cinquième. Arnaud Plume a pris la P4. Petit coup de portière, Alex, il est parti à la faute, Alex, dommage. Attention, Franck Verplanken qui arrive fort derrière. Franck Verplanken, il a Mondou juste derrière lui à 8 dixièmes, mais il a surtout Alex devant lui à 5 dixièmes maintenant. Et il va aller chercher cette P5. Meilleur tour pour l'instant, il est entre les mains de Sirius Mick en 53-460. Alors que je vois que Gérard Rion est remonté sur Indigo 41. Là on est sur la P11 et P10. Donc on a deux abandons, Luigi Var et Nofra. Et on a perdu deux pilotes. Hein. Par rapport à la première course. Non, ça s'est creusé un petit peu. Ah, c'est remonté sur Rino hein, devant.
ça se resserre. On a Rino Way qui est 9 dixièmes devant, devant Adico 41. Nos premières loges hein, pour assister à la bagarre devant entre Indigo 41 et Rhino. Indigo qui s'est un petit peu loupé. Du coup, Gérard Rion remonte dans les roues d'Indigo 41. Est-ce que ça peut passer ici ? Gérard Rion, oui, qui... oula, attention, contact. Ah bah les deux se sont mis au tas. Sur, voilà, les deux se mettent au tas. Ça se passe souvent dans cette épingle. Hein. Avec là aussi des dégâts pour Gérard. Gérard Rion qui a perdu son pare-choc. Salut Dams. Alors que devant, Alex vient de reprendre la P5. Il était en bagarre avec Franck Verplanken. On a passé la mi-course, déjà. Non, il roule pas. Il est passé sur le chat, mais... Il faudrait qu'il se mette au dragster en fait lui. Ah Gérard Rion, ouais tiens Gérard Rion s'arrête à son stand sans doute pour réparer les dégâts. Voilà, il a perdu le. Ah, c'est un abandon, évidemment. Troisième abandon. Il offra DNF, oui, dès le début de la course, j'ai pas vu ce qui s'était passé, mais d'entrée, il a abandonné. Dans le premier tour, ou le deuxième. Tu devrais être plus dispo, bah c'est cool. Super. Alors, en tête, Emeric toujours. Il est à 3 secondes 5 devant Mikael Sacco. Serious Mick, il est 6 secondes derrière. Serious Mick, il a 9 secondes 8 du leader. Et puis derrière, on a toujours notre petit groupe de 3 là. Franck Verplanken, Alex et Arnaud. Mon loup, 7ème. Manu Grimnini.
8ème, il était P6 sur la première, Mano. Rino. Nico 41, donc 10ème. Et enfin, Cédric H 11ème. Bon, on va retourner avec nos trois amis. Hein. Un setup avec du talent dedans. Ça glisse, hein, Alex, on a vu partir un peu en travers là, lui aussi. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu Timon Souvik ce soir là. Que tu la feras, Grim, la Nordschleife là sur les DTM la prochaine fois, prochaine manche, c'est Nordschleife avec les DTM 91. Changer un peu, on va aller avec Alex. C'est Yousmik qui vient de faire son dernier tour en 53-238. Meilleur tour pour Yousmik. 52-816 pour Emric. Voilà, notre leader. Il est 4 secondes 7 devant Mikael Sacco. Mikael Sacco, que voilà. À la P2, leader du championnat pour l'instant, à l'issue de la manche 3. Et il nous reste 6 minutes de course. Je vois Franck se rapprocher à moins d'une seconde maintenant d'Alex Vidizian. Qu'on voit toujours un petit peu partir en glisse hein, dans cette épingle. On va se remettre avec Franck Verplanken qui lui était absent la dernière fois il me semble. Franck Verplanken, lui il est il n'avait même pas participé aux deux dernières manches en fait, donc il n'a que 19 points, il est 22e au classement général. Il avait fait la 19e place donc sur la première course de la première manche et il avait abandonné sur la deuxième course et il était absent donc les deux courses précédentes, donc là il va sans doute bien remonter dans les points. Ah, il y a un autre pilote qui nous manque ce soir aussi, c'est Jbrons, il est sixième hein, il était sixième au classement en général et on l'a pas ce soir avec nous.
Il nous manque Bruns, il nous manque Simon Souvik. Il nous manque Jean-Christophe Fournier. Ah, il a loupé le rendez-vous, tu crois? Tiens, Franck. Franck est en train de manger Alex. Franck, il vient de prendre la P5. Bon, c'est pas tout à fait validé encore. Ils sont... Ah, ça y est, Alex, il est bien derrière, là, cette fois. Franck, il vient de faire son meilleur tour. 53-141. Là, c'est chaud, ça se resserre. Là, on a 4 pilotes dans le même paquet. On les voit là. Arnaud Plume à la P3, Sayu Smith 4e, Franck Verplanken donc 5e, et puis Alex à la P6. Alex, il a perdu 3 places. Et il reste 3 minutes 20 de course. Donc là, ça va beaucoup jouer entre ces 4 pilotes là. Ah, Alex, il est mal ressorti de l'épingle là. Il a perdu beaucoup de temps, Alex. Dommage. Devant Serious Mick et Arnaud. On se fait se mettre avec Serious Mick. On a Franck, on voit dans le rétroviseur, là, Franck, il est juste là. Cinquième, il reste 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. Est-ce qu'on peut encore avoir un changement au niveau de la P3 entre Arnaud, Serious Mick, éventuellement Franck? C'est encore possible. Bon, il va nous rester deux tours, je pense. Emmerich qui est ici. Alors Emmerich, 1 minute 12, donc on va avoir un tour supplémentaire. Ça laisse le temps à Serious Mick d'aller peut-être chercher Arnaud. Ouh, Franck Verplanken à l'intérieur qui prend la P4, non. C'est pas fait. Serious Mick est toujours devant. Il y a une place à gagner là, pour l'un ou l'autre, à la P4, le pied du podium. Oh, Serious Mick conserve sa P4. Alors que... on va avoir un autre tour. Emmerich vient de partir dans son dernier tour. C'est pas terminé pour Franck. Franck et Serious Mick. Oh non, 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 non. Quel dommage. Ah, quel dommage. Alex, du coup, prend la P4. C'est Alex qui en profite. C'est Alex qui prend la P4. Bon, malheureusement, il ne pourra pas aller plus haut. C'est terminé, la course est terminée. Sur vraiment les derniers mètres, Alex Vilizian prend la P4. Alors que Serious Mick et Franck Verplanken se sont mis au tas. Donc à nouveau, victoire d'Emmerich, bravo. Qui remporte ses deux courses.
Alors, Emmerich, on ne l'a pas dit, mais Emmerich, sauf erreur, il vient de rejoindre. Hein. Il vient de rejoindre le championnat, donc pour l'instant, il n'avait pas de classement. Il arrive et il remporte les deux courses. Bravo! Je prends ça oublié. Alors, voyons tout cela. Bravo à tous. Belle P4 hein, pour Alex Vilisian qui vraiment dans les derniers mètres, alors qu'il était sixième, a pu passer Sirius Mick et Frank Verplanken, alors que ces deux-là, ces deux pilotes se sont touchés, sont sortis. P7 Monlou, Manu Grimnini, Rino, Indigo 41, voilà pour le top 10. Et puis il nous restait... quatre autres pilotes, Cédric qui donc finit dernier, puis trois abandons, Gérard Rion, Louis Givard et Enofra qui a abandonné en tout début de course. Voilà les amis. Et ben c'était bien sympa. C'était bien sympa. Ces deux courses sur le Nürburgring. On va se retrouver donc la prochaine fois sur la Nordschleife. Avec nos DTM, hein, ce sera donc le 28 novembre. Et puis lundi prochain, on sera en GTPC Mont-Tremblant pour les 300 km. Ça va être sympa aussi. Et puis voilà, on va arrêter le live par ici. Merci à tous et puis bonne fin de soirée. Allez, ciao!